Salut, je suis venu explorer un sommet de colline que je connais pas encore et j'ai prévu d'y passer la nuit. Donc il y a pas mal de petits sentiers qui ressemblent plutôt à des sentes d'animaux, des passages d'animaux. C'est assez étrange ce sentiment d'être partagé entre l'ambiance forestière où c'est quand même relativement sauvage, j'ai croisé personne depuis plus d'une heure. Et il y a beaucoup de champs d'oiseaux avec des traces d'animaux, des sentes, des déjections. Et comme on est sur une colline, au pied de la colline, on a plusieurs hameaux. Les sons montent, donc on a des bruits de tronçonneuses, de motocross. Au final, on a un subtil mélange d'ambiance entre la forêt et la campagne. Moi, ça ne me dérange pas, je suis dans mon élément. Et je vais continuer sur cette route forestière. Et puis, je ne sais pas trop où je vais arriver. Ce sera la surprise. Je suis proche du sommet, je peux vous dire une chose, c'est un sommet qui se mérite. Je vais arrêter les recherches. Le spot idéal, tout simplement, il est là, au milieu du chemin. C'est celui qui m'offre la meilleure orientation aussi bien pour regarder le soleil se coucher
le demain pour être réveillé par la lumière du soleil qui se lève. Donc pourquoi chercher plus loin? Pourquoi chercher midi à 14h? C'est ici et pas ailleurs. Allez, action! Ça y est, le réchaud est parti. Si on se décapsulait cette petite attractive. Alors là, l'idée, c'est de faire chauffer ma crème, mettre des cubes de fromage à l'intérieur, et ensuite je mettrai mes escalopes de poulet à cuire dans la sauce. Ah ouais. Ouais, c'est un régal. Cette petite crème au fromage, les amis, l'odeur, oh là 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 là. Bon, ben, je crois que c'est prêt. Hein. Ouais, ça m'a l'air bon là. Bon, moi je propose de passer à table sans plus tarder. Oh là là. Cette sauce, c'est une pure réussite. Aïe. Oh, le poulet, il est magnifique. Ah, j'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu rosé, mais on va pas se plaindre. On est sur un feu de bois, donc on va pas se plaindre. Bref, en un mot, je me régale. On va pas continuer plus longtemps. Je vais finir mon repas, brosser les dents, aller au lit, et nous, on se retrouve demain matin. Salut.
Je propose qu'on s'arrête là pour le petit déjeuner. Parce qu'on est bien protégé du vent ici. Ce sera idéal. Ah, là-haut, c'était juste pas possible. Voilà, une boutonnière. Oh, pas spécialement jolie, hein, mais faite avec mes outils et puis avec les ressources de la forêt. Maintenant, ce bois-là, il est pas très beau. Donc chez moi, quand j'aurai un petit peu de temps, je vais probablement le remplacer par du bouleau, du bois de bouleau avec l'écorce blanche autour. Voilà, une belle boutonnière faite en bois de quelque chose, en bois d'arbre. Je sais pas quel arbre j'ai utilisé. Ah, nous, c'est ici qu'on va se quitter. Moi, je vais faire une petite sieste, un petit roupillon avant de prendre le chemin du retour. J'ai à peu près, ouais, 1h30, 2h de marche. J'espère que ces quelques instants passés à mes côtés, comme d'habitude, vous auront apporté quelque chose. En tout cas, c'est mon but. Si je peux partager avec vous des beaux paysages, de la bonne humeur, quelques astuces aussi de la vie sur le camp, bah, j'en serai honoré. Si je peux vous apporter quelque chose, j'en serai honoré. Voilà. Maintenant, on va se quitter. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire en cliquant sur le petit pouce. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche à côté. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, sortez dans cette belle nature et à bientôt. Salut.